Les populations de la région de Lamé veulent recevoir le président de l'Assemblée nationale sur leur sol. Leur demande, selon Sekongo Félicien, conseiller spécial en charge des ONG et associations, a été acceptée. Guillaume Kigbaforisoro sera donc à Alzopé, à Koupé, à Lépé et Yakassé à Tobrou, les quatre départements qui composent la région de Lamé. Nous voulons accueillir le président de l'Assemblée nationale parce que nous voulons que sa visite dans la région de Lamé nous aide à réconcilier les communautés vivant dans la région de Lamé. Nous voulons aussi poser un certain nombre de problèmes liés au problème de fond de la réconciliation. Si nous ne sommes pas réconciliés, il sera difficile de procéder, d'aller au développement. Les populations souhaitent que cette prochaine visite du président de l'Assemblée nationale dans leur région apporte des réponses à leurs préoccupations. Cette rue que vous voyez, elle mène vers la morgue et elle est vraiment impraticable. Nous avons tous des problèmes pour avoir accès à la morgue. Donc nous pensons que si l'arrivée du président de l'Assemblée nationale ici à Zopé vraiment va nous soulager. Les routes, pour aller dans un village, si tout s'il pleut comme ça, là, tu ne peux même pas aller au village. Tu sors, tu prends la voiture, on dit on ne peut pas aller. Tu es obligé de prendre moto, moto si ce n'est pas prudent. Un peu seulement il y a accident. Présentement dans la région de Lamé, nous avons au moins 4 séries, mais vraiment l'emploi n'est pas suffisant pour la jeunesse. Nous avons un peu beaucoup de difficultés pour avoir du travail. D'autres régions de la Côte d'Ivoire attendent également de recevoir le président de l'Assemblée nationale pour donner un coup de pouce à la réconciliation et au développement dans ces régions.